Non, pas du tout. D'abord, je tiens à remercier mon collègue pour la qualité du jeu qui a été produit aujourd'hui. Mais je crois que moi, je peux considérer que ce match, peut-être parmi les meilleurs matchs, vu le nombre d'occasions de but, le nombre de buts scorés. Et puis, moi, pour nous, nous savons, nous avons entamé le match, sachant que aujourd'hui, c'était le plus difficile match de la phase du groupe, vu la qualité du jeu produit par nos adversaires. Malheureusement, avant d'avoir encaissé ce premier but, nous nous sommes créés plus de 4 occasions. Et puis, le même scénario du manque d'efficacité, malheureusement, a continué. Donc heureusement pour nous que nous sommes revenus au score à temps, donc il y a 1 minute avant la première mi-temps. Et puis nous avons été efficaces lors de la deuxième mi-temps. Je crois que c'est un match de référence pour nous. Et puis ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Au contraire, ça a été difficile. Donc nous avons cravaché pour avoir cette victoire. C'est facile à dire, rapide. اول حاجه يعني كنهني الزميلي المدرب على المستوى اللي قدمه المنتخب ديال اوغندا اللي كان فريق يعني مثالي. انا كنت كنعتبر هذه المقابله يمكن اصعب مقابله يعني في دور المجموعات، بعتبر انه النتيجه ديال هذه الفوز كانت ستؤهل يعني احد المنتخبين. مع الاسف يعني هذاك السيناريو ديال ضياع الفرص يعني استمر خاصه في الشوط الاول، لانه قبل ما يتشجع لنا الهدف كان ممكن اننا يعني نهيو المقابله، يعني في 25 دقيقه الاولى كان ممكن نهيو المقابله مع الاسف. ولكن يمكن الجيد هو انه يعني ما غيرناش الكيفيه ديال اللعب ديالنا، يعني بقينا مركزين بشكل جيد، وجا الهدف ديال التعادل في توقيت مهم يعني دقيقه قبل نهايه الشوط الاول. الشوط الثاني الحمد لله انه كان يعني اكثر من رائع، واللاعبين ديالنا وصلوا للمرمى ديال الفريق الخصم. أنا بالنسبة لنا يعني النتيجة يعني مهمة بالنسبة لنا، يعني اللي رافع هذيك المعنويات ديال اللاعبين وتكريس الثقة داخل المجموعة. Chers confrères, la parole est à vous. Vous connaissez le principe, levez la main pour demander la parole. Déclinez votre identité et l'organe pour lequel vous travaillez avant de poser une question. Nous en avons pour un petit quart d'heure, s'il vous plaît. Le premier, merci. Oui, bonsoir. Ça ne va pas être facile. Il n'y a pas de match facile aujourd'hui dans cette compétition africaine. Donc c'est un match à élimination directe, les quarts de finale. Donc ça va être un petit peu difficile. On va essayer d'abord aujourd'hui un petit peu de reprendre notre souffle et on va se focaliser sur la façon dont on va entamer, inchallah, les quarts de finale. Mais de toute façon, on ne va pas changer grand-chose. La détermination va être au rendez-vous. La discipline tactique va être au rendez-vous. Et puis la motivation va être au rendez-vous. Donc, pour gagner les quarts de finale, donc, il faut que l'on fasse le maximum d'efforts pour y arriver, que ce soit en point technique, tactique ou mental, et même physique. Moi, je m'attends à un quart de finale très, 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 très disputé. Le groupe ici présent de joueurs n'est plus le même, ce n'est plus le même qui a participé à la CHAN au Maroc qui l'a gagné. Donc nous avons perdu beaucoup de joueurs donc, qui ont quitté pour l'étranger. Et même sur la dernière liste qui a joué la qualification, nous avons perdu il y a 3 mois 5 joueurs titulaires qui sont partis à l'étranger. Donc, nous arrivons avec un nouveau groupe, avec quelques joueurs qui ont eu l'occasion de gagner cette CHAN au Maroc, mais pratiquement à 70%, c'est un nouveau groupe qui possède la motivation et la détermination pour déjà la gagner pour eux-mêmes et pour un petit peu défendre ce titre. Je crois que c'est un groupe qui possède la concentration et la motivation et la détermination pour aller le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi pas